Bonsoir, madame, messieurs, bon week-end. Mes informations, nous avons pour nous développer pour aujourd'hui. Président de la Cour des comptes a dénoncé une fois encore responsable à quelques institutions qui peuvent collaborer à enquêter dans le cadre du dossier pétro-caribéen avec la cause. C'est un rapport partiel, 236 pages, remettre par le sénateur hier jeudi. Sénateur Yo Bata, bravo pour travail la Cour des comptes. Président de l'institution remet un rapport à la commission éthique et anticorruption pour analyser avant de présenter l'Assemblée et puis voyer la justice. Président de la République remet jeudi la nomination de 95 ingénieurs agronomes qui étaient passés dans l'Office Management à Crissouzimène, au MRH, dans une cérémonie dans le Palais National. Dans le pays étranger, Juan Guaido, président parlement pays Venezuela, qui auto-proclamé tête li président, fait qu'on est, la police rentrée la Kaili Aloske, ni lui-même, ni madame li, pat la d'après lui, c'est intimidation gouvernement a fait contre lui. La autorité branchée pour détail, madame, messieurs. En général, moun pa rèmè pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué nan budget ou à côté l'argent kay ak l'argent manje. Li la pou li dou travers son mauvais pas. Gade tout à côté ou. Ou wè kouman gros problème qu'on entre sou moun sans attendre. Mande Dieu pardon, ça k'arrive ou tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si au pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire au pour dire continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci parce qu'on a toujours été branché, n'a pas entré dans le développement journal. Le président de la Cour des comptes l'a dénoncé une fois encore responsable à quelques institutions qui peuvent collaborer avec l'enquêteur dans quatre dossiers pétro-caribéen. Pierre Volmar de mes yeux fait connaître dans le financement, moi Jean Vieillard, responsable de Voyebay, institution en formation, le besoin de la cause, c'est un rapport partiel, CSCCA remettre parlement hier jeudi. Déclaration de l'amico Edlaine Vernal avec David Mercier, sans côté. D'auditer tous les projets issus des 14 résolutions. Résolutions prises par trois présidents, de Michel Joseph Martelly à Jocelyn Privert, et six gouvernements, et aussi d'autres projets d'investissement qui étaient réalisés en dehors des résolutions. Malheureusement, depuis le mois d'avril, nous nous sommes tournés vers l'administration pour trouver la documentation nécessaire, indispensable à la réalisation de cette mission d'audit. Face aux réticences, à la lenteur des administrations, après des lettres de rappel, plusieurs visites des commissions de conseillers, des documents ne sont pas venus, mais malheureusement, beaucoup d'entre eux sont arrivés un peu tard. Certains en novembre, d'autres fin décembre et les derniers à partir du 20 janvier. Donc, on a dû auditer les projets pour lesquels toute la documentation a été rendue disponible. Président Sénat République Lambat, bravo pour travail la Cour des comptes Lan, car la Mura Cantave, elle te fin recevoir rapport à te remettre les bails, sénateur Yuri Latortue, qui est président commission éthique et anticorruption dans le Sénat. Commission va analyser rapport à pour capable présenter le bail à l'Assemblée sénateur Yo, et puis voir le bail à la justice Kabien pour faire suivi dans le cadre dossier ça. Car la Mura Cantave, dans le micro, Edlaine Vernal, avec David Mercier, Yusan Kouté. Ce rapport est venu à renommer à un moment où l'Assemblée des sénateurs attend de pied ferme ce rapport. C'est une nouvelle page d'histoire qu'on est en train d'écrire aujourd'hui. Et la postérité va jouir de cette nouvelle page d'histoire. Et nous pensons que nous autres, au niveau de l'Assemblée, nous allons accompagner ce dossier. Nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires
pour que ce dossier aboutisse. Et ceci sans dilatoire, mais sans émotion, sans expéditivité, pour que finalement nous contribuions à la rédaction davantage, à la rédaction et à l'élaboration de cette nouvelle page d'histoire que le pays attend. Sénateur Yuri La Tortue qui t'a préparé premier rapport pétro-caribéen par caché contentement là, pour rapport la Cour des comptes là, commission anticorruption a bien pour analyser document présenté par l'Assemblée et puis voyer le bail la justice d'après précision Yuri La Tortue toujours dans micro Edlaine Vernal avec David Mercius. Dès que vous avez la commission, nous avons fait copie pour chaque sénateur et après, nous avons adressé à la plus prochaine assemblée. Parce que normalement, dès que vous avez des contrats de travail, sénat recevoir, eh bien, il faut mettre dans la cheminée vers la justice. Donc, la commission va faire son travail. Ancien président sénat Joseph Lambert, qui était transféré rapport commission spéciale à ce dossier, pétro-caribéen à la Cour des comptes l'année passée, salué les mêmes taux, travail CSCCA. En côté. Le Sénat, l'Assemblée des sénateurs, était un réflexe hors pair lorsqu'il était choisi pour transférer le dossier par devant la Cour supérieure des comptes pour analyse approfondie au plan technique. Et en tout état de cause, nous estimons que pour la Cour, un bon travail, nous commençons à feuilleter et nous revient au président de la Commission éthique et anticorruption pour lui approfondir la question. Et puis pour lui faire assembler à des recommandations qui s'imposent. Qui sont en train de faire des recommandations? Moi, je suis venu à l'Abdiya. Ça, c'est quelqu'un qui a sauté? Non, au contraire. Je suis content. Je suis aux anges. Tout état de cause n'a pas d'admettre et reconnaître que nous-mêmes, je veux dire, Sénat, dans sa globalité, tu fais un travail exceptionnel. Non, pas juste le président. Exemplaire. L'autre nouvelle, président République la remet jeudi l'autre nomination Yoba 95 ingénieur agronome qui était passé dans l'Office Management à Cressouzimène au MRH dans une cérémonie dans le Palais National. Selon chef l'État, nouveau employé Sayo prend le travail dans le bureau départemental ministère de l'Agriculture pour capable renforcer le secteur ça. Jean-Denis Moïse dans le micro, Jean-Marc Sondorcé, en côté. Les cadres qui ont sans doute donné durant leur carrière le meilleur de même à leur pays sont devenus âgés. Il est donc plus qu'urgent de renouveler le personnel de ce ministère afin de mieux satisfaire les besoins alimentaires de la population. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de rajeunir le ministère. Et c'est pour ça aujourd'hui, les 95 jeunes ingénieurs agronomes sont ici présents. Parce que nous ne pouvons pas parler de productivité dans le secteur agricole sans des ressources humaines qualifiées. Et vous devez savoir que vous n'êtes pas de simple ingénieur agronome qui va seulement travailler dans des domaines, je dirais, de production agricole, mais vous allez aussi travailler dans l'accompagnement de ces gens-là, de ces petits agriculteurs, pour trouver les marchés et pour trouver le crédit nécessaire à ces gens-là. Quand je parle de crédit, je sais que vous êtes au courant de la circulaire 113, cette circulaire de la Banque de la République d'Haïti, qui permet aujourd'hui au secteur agricole d'avoir un crédit à 6%, le secteur agricole qui n'était même pas considéré comme un secteur porteur dans l'économie haïtienne, parce qu'il n'y avait pas d'encadrement de crédit, il n'y avait pas d'encadrement tout court, je dirais, au niveau du ministère de l'Agriculture, les agriculteurs, les producteurs agricoles n'étaient pas accompagnés. Mais avec vous, jeunes ingénieurs agronomes, à la tête des bureaux agricoles de ce pays, vous allez être accompagné, vous allez être soutenu par les directions départementales. Ces directions départementales vont vous encadrer. Haïti a besoin de vous, vous cadres formés de ce pays. Haïti ne peut pas parler de développement de son agriculture sans des cadres formés. Vous êtes là parce que aujourd'hui, il faut faire place nette pour la compétence. Il faut donner de la place aux plus capables. Nous ne pouvons pas parler de développement. Nous n'aurons pas de développement dans ce pays avec la médiocrité. Il faut que ça cesse au niveau de l'État en Haïti. Coordonnateur OMH la fait connaître l'institution et organiser concours avec toute transparence. José Pierre-Louis mandé nouveau agent Sayo travail pour capable mériter confiance autorité yo fait yo. En côté. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse,
de concert avec le Premier ministre Jean-Henri Seyan, a décidé d'engager des actions de transformation profonde du pays, notamment dans les champs de la réforme administrative et du renforcement des ressources humaines de l'État, de l'économie, du dialogue social et des services de proximité à la population. Dans cette lignée se situent des actions de déconcentration des services centraux nécessitant des cadres de grande qualité comme les ingénieurs civils pour les mairies et les agronomes pour le secteur agricole. L'événement qui nous rassemble tous ici aujourd'hui constitue la manifestation vivante de la détermination du président de la République et du Premier ministre à assumer leurs responsabilités face aux grands défis du temps. Le recrutement de ces jeunes cadres destinés à renforcer la capacité de nos bureaux agricoles communaux constitue à n'en point douter un pas de plus dans le cheminement de notre agriculture vers la croissance et la compétitivité. Ministre de l'Agriculture a invité nouveau agronomio servi à la connaissance sur le secteur Jarret en façon pour remembrer la production nationale. Là, responsable a dit qu'il y a conscience économie pays a plus chita sur acheter produits l'autre bord de l'eau. Je vous remercie en grand, mon micro Jean-Marc Sondorcé, à côté. Mesdames, messieurs les responsables de BAC, de nos jours, les produits importés représentent un fort pourcentage de la disponibilité alimentaire globale de notre pays. C'est dans ce contexte, chargé de défis, mais motivé par une volonté de réussir, que nous sommes ici présents pour vous accueillir en tant que responsable de bureau agricole communal. Je sais que vous êtes tous des cadres formés, pleins de vigueur, animés de bonne volonté et de courage. Vous êtes appelés à la tête de ce bureau pour travailler avec tact et intelligence afin de donner le meilleur de vous-même pour offrir un accompagnement de qualité à nos agriculteurs, agricultrices, entrepreneurs agricoles et d'aboutir sous le leadership des DDA à une meilleure synergie dans les actions des partenaires et les priorités du gouvernement dans le secteur agricole. Mesdames, Messieurs les responsables de BAC, quand on est appelé à diriger, on doit être bon stratège, grand communicateur, très persuasif, prêt à dialoguer, habile à anticiper pour avoir des résultats au bénéfice de tous. Tout ceci ne sera pas au-dessus de vos compétences et capacités si vous œuvrez avec une grande vision. Il faut entretenir de bonnes relations fonctionnelles avec les autorités locales, les organisations communautaires de base et les organisations paysannes pour débattre des épineuses questions et rechercher ensemble les solutions appropriées et durables. Souvenez-vous, les difficultés, il y en aura toujours, mais elles ne doivent pas être pour vous une excuse ni de malaise ou une raison à l'inaction. C'est moment pour une portée pour vous, nouvelle étranger. On a demandé d'arrêter branché, Madame Messier. L'Adbodlo Juan Guaido, président palman pays Venezuela, qui autoproclamé tête li président, fait qu'on est la police entrée la Kaili à l'osque, ni lui-même ni Madame Li Patla. D'après les intimidations, gouvernement a fait contre lui. Cette petite fille qui a 20 mois, qui était dans Kaila à grand-mère Juan Guaido, qui lance une manifestation pour demain samedi en l'idée pour demander départ président Nicolas Maduro côté. Opposition a estimé tes gains et fraude dans l'élection pour deuxième mandat. Cependant, partisans Maduro est mobilisé pour défendre leur pouvoir. C'est là le journal non fini pour aujourd'hui à Madame Messier. Merci parce que vous avez suivi la priorité branchée Télévision Pacifique. Bon week-end.